Bonjour Patrick Marlière. Bonjour. 31 jours sans pluie ou 32, ça dépend. C'est véritablement un record. La question, Patrick, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ah ben, il n'y a pas d'autre question que celle-là. Oui, on doit s'inquiéter parce que on a déjà eu une année 2022 exceptionnelle par sa sécheresse et ce qui est tombé en fin d'année 2022, même si c'était très important, n'a résolu en rien la situation qui dominait sur évidemment la région de Troyes, mais aussi sur l'ensemble de la France. On aura certainement le mois de février 2023 le plus doux jamais mesuré sur la région. On aura aussi le mois de février le plus sec. Il a fait plus sec en février 2023 que pendant l'été 2022. Donc on attend guère plus de 1 ou 2 mm avec les précipitations attendues pour cette fin de semaine, mais ça reste largement déficitaire. Patrick, tu nous as sorti les chiffres, les données pluviométriques du mois de février dans l'Aube. Dis donc, c'est pas glorieux. Normalement, on est à quoi? 44,2 mm pour un Ouais. mois de février. Or, en moyenne, on est à combien? Dis-nous. Eh bien, on est en moyenne à moins de 5 mm. Donc, ça veut dire que 10 fois moins que la normale. C'est-à-dire qu'on a déjà 90% de déficit pluviométrique à ce mois de février. La première quinzaine de mars, elle s'annonce tout aussi sèche. Pour l'instant, la situation des nappes phréatiques n'est pas encore préoccupante. Le niveau est bas des nappes phréatiques, mais ce n'est pas encore préoccupant. On a les chiffres sur les 10 dernières années. Est-ce que ça constitue un record, ces 0,2 mm de pluie seulement en un mois de février? J'ai pas retrouvé ça dans les annales, hein. J'ai pas retrouvé ça dans les annales. On s'aperçoit qu'il y a eu des mois de février assez secs, mais dans ces mois secs, il est tombé jusqu'à 30 litres. Là, c'est pas 30 litres, hein, que l'on attend, c'est moins de 3 litres, c'est au grand C'était février maximum. 2019, hein, février 2019 notamment, hein. Surtout le mois de février, il y a deux types de situations météo hivernales. Une sécheresse hivernale, donc là, on est en plein dedans, mais souvent l'hiver, on a deux types de situations. De la douceur, mais avec de la pluie. Ou du froid, mais avec un temps sec. Et là, on a le rassemblement des deux. On a un temps sec avec de la douceur. Il y avait longtemps que moi, en météo, je n'avais pas vu ça. Bon, eh ben, on s'en réjouit pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Merci bien. Et puis à très bientôt pour d'autres prévisions, hein. Merci. À plus.